Bienvenue à l'émission en français avec une brève introduction en néerlandais. Welkom op een nieuwe uitzending van Beginnen met erfgoed op Ik was hier live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. De chef van la serie landde een twintigtal jaar geleden in saint Franquin en maakte daar kennis met de chicorée. Vandaag gebruikt hij chicorée voor de smaak, maar ook om schotels, zoals bijvoorbeeld carbonaden, extra te kleuren. Zoals met verse kruiden komt chicorée enkel tot zijn recht, met zijn juiste subtiele dosering. Ik uh, me presenter, je suis Olivier Knokard du restaurant La Sirie à Saint-Folquin. Ik ben hier vanaf januari 2003, dus een vingtaine d'années. Euh, donc euh, bah, moi je suis un peu arrivé par hasard sur le secteur de, de Audruic, le pays de la chicorée. Euh, avant on a exploité sur, euh, dans la région du nord-Pas-de-Calais, on était plus sur l'île. Et on arrivait en janvier 2003 ici. Et euh, moi j'ai fait connaissance de, de, de la chicorée en arrivant ici en janvier 2003. La chicorée, beaucoup, beaucoup de gens la connaissent sous forme soluble, comme, comme les anciens l'utilisaient un peu pour couper le café euh, ultérieurement. Et maintenant, on a du concentré de chicorée qui s'utilise directement. Donc, c'est du concentré, donc il faut l'utiliser par, par simonie. Et euh, ça s'utilise directement, il n'y a pas à infuser. Il y a donc, une recette traditionnelle euh, neutre, on, on peut la parfumer avec euh, la chicorée concentrée liquide. Donc, exemple, une crème brûlée euh, standard, donc œufs, crème, sucre, euh, vanille, hop, on peut la parfumer avec ce concentré et il y a uniquement une petite dose de, de, de concentré de chicorée à mettre. Et après, euh, donc ça s'accommode beaucoup sur les desserts, après sur tout ce qui est plat cuisiné, un peu en vinaigrette, en marinade. Il y a plein de solutions pour, 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 pour retrouver ce petit goût d'amertume ou le contrebalancer avec un peu, de, un peu de sucre si besoin. Le produit concentré chicoré brut, c'est un peu amer. Donc il y a une odeur un peu de café, de, de caramel sans le sucre. Il y a un peu cette odeur-là. Cette odeur Ensuite, tout dépend de ce qu'on recherche. Donc si c'est sur un dessert, il faut un peu contrebalancer avec un peu de sucre, cassonade ou autre sinon dans les plats cuisinés il n'y a pas de soucis, quoi. même dans une carbonate pour colorer un peu la sauce ou du lapin ou des, ou des plats cuisinés pour avoir une coloration dans la sauce, dans les mijotés ouais. le, le concentré liquide chicorée, vous avez la couleur et vous avez l'amertume donc c'est du concentré, donc vous avez un peu, un peu un liquide un peu un liquide brunâtre là, et, et au goût un peu amer donc il faut vraiment le doser léger pour doser le, la chicorée, il ouais, ne faut pas plus de 10% de, de, du, du poids. Donc euh, ça, ça se mesure en cuillère à café ou des choses comme ça. Ouais. Après, le problème, c'est exactement trop doser un produit. Donc euh, là, en sachant qu'il est concentré, il faut le doser plus légèrement. Mais après, si on, on a trop, de, trop de, de... que ce soit une épice ou etc., on passe au, au travers du plat. Donc il faut trouver le, le, le juste dosage, la subtilité pour, pour le mettre en valeur. Donc le, le moi au menu pour la fête de la chicorée euh, je propose une tarte fine aux pétoncles endives et chicorée ensuite je propose un mignon porc farci en croûte de chicorée et une tartelette chocolat blanc et chicorée donc la tartelette, euh, tartelette c'est euh, une fondue d'endives revenue avec euh, du concentré de chicorée la petite poêlée de deux de, 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 de pétoncles avec une sauce poisson sur un disque euh, une tarte fine un disque à base de parmesan de, 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 de farine et donc un petit, un petit disque ensuite le mignon de porc il, y a une, il est farci avec une farce à base de porc de champignons et de lardons donc la croûte c'est un petit crumble à base de, de chapelure de, de 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 beurre de farine et de concentré de chicorée et donc à une base à une accompagné d'une sauce à base de confit d'endive brisée à la chicorée la petite tartelette choco blanc et chicorée donc c'est un fond de tartelette pâte sablée une ganache choco blanc aromatisée à la chicorée et une chantilly montée à la chicorée donc le, la, la, la chicorée, c'est n'est pas un produit très connu, donc euh, nous on a encore la chance d'avoir un, un petit producteur au niveau local à moins de 5 km, et le, le, le 60% de, de la production de chicorée en France est, est basée sur le territoire d'Audruic, donc, donc on se met un point d'honneur à, à faire valoriser euh, ce produit et le, 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 le terroir local. Donc, bah, je vous invite à venir euh, goûter, le, à goûter le, 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 terroir en venant dans les restaurants du secteur pour le, la formule 100% chicorée, euh, pour découvrir ce territoire et, et ce produit euh, fantastique qui est la chicorée produit dans le coin.